Salut à tous et à toutes, c'est The True Gamer et MCuber5 pour ce deuxième épisode du World Tour de Pokémon Emerald. Salut mon petit trou-trou. Hein ? Ouais, et donc on vous avait laissé après le combat contre Flora, que vous pouvez apercevoir sur l'écran encore, et après avoir soigné notre magnifique Poussifou. Donc là on va aller lui parler, hein, fort logiquement, parce qu'elle nous attend. Sacha ! Elle a l'air paniquée, c'est cuit. Enfin, parle vite, au labo ! Oh là là, elle a l'air paniquée, peut-être. Qu'est-ce que tu vas aller faire au labo? Peut-être qu'il s'est fait tuer. Qu'est-ce que tu vas aller faire au labo, toi? On est dans Pokémon, on sait jamais, peut-être qu'il s'est fait tuer. C'est bien le genre de... Ouais. Ah, je me souviens, dans Pokémon Jaune, t'étais obligé de passer dans des autres herbes. Ouais. Stéphane, ça. Ouais. Là, voilà, tu peux revenir à ton village. C'est pas plus mal, tu me diras. Mais... Ouais. Et donc, voilà, voilà, blabla. Prof Seco. Bonjour, Sacha. Il paraît que tu as battu Flora. Belle performance. Tu as remporté ton premier combat contre un dresseur averti. Averti Averti, elle avait un Pokémon niveau 5. Elle m'aide dans mes études depuis bien longtemps. Elle a de l'expérience comme dresseur, mais pas comme Pokémon. Pardon. Tiens Sacha, j'ai commandé ça pour mes recherches, mais je crois que ce Pokédex sera plus utile qu'à moi. Et donc on obtient le Pokédex, outil indispensable. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Pokédex, vous pouvez déjà appuyer sur la grosse croix rouge en haut, parce que bon, vous avez rien à faire là. Mais bon, on va quand même expliquer. Le Pokédex ça sert à enregistrer les données des Pokémon qu'on rencontre ou qu'on capture. Quand on les capture, on a encore plus de données. Oui. Oh, on a obtenu des Pokéballs. Eh oui. Excusez-nous, hein, si notre voix peut vous sembler un peu fatigué et tout, mais on a passé toute la nuit à jouer à Pokémon Noir. Ouais. En français, hein, on l'a pas hacké, on a la version française. Ouais. Voilà. Comme on est à Paris, c'est assez facile de l'avoir deux jours avant quand même. Voilà. Donc là, t'as notre maman qui... Si vous êtes à Paris, je vous dis un petit truc, je sais pas moi, République, Boulevard Voltaire, pardon. Excusez-moi. Non, mais allez à Game. Si vous êtes à Paris, normalement ça passe. Bah si vous l'aviez réservé, de toute façon vous avez une SMS normalement. Voilà. Donc voilà, excusez-nous, mais bon, notre mère nous offre les chaussures de sport. Quoi, S. Et donc notre mère nous offre les chaussures de sport. C'est la première version. On les a, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est la première, ouais. Ah ouais, dans Versailles on les a aussi, mais... Non, c'est dans Versailles. Non, dans Ruby et Sapphire. Oui, donc, c'est la première version. La première génération. La première génération, voilà. On les a. Ok, donc on va les tester. Ça va nous permettre d'aller plus vite. Wouhou ! Jusqu'à l'obtention de la bicyclette. Surtout que c'est de la bicyclette de... Non, de la bicyclette, excuse-moi, du vélo. Ouais, dans ce jeu, c'est un vélo. Non, surtout que le vélo, dans ce jeu, c'est vraiment le plus rapide de tous. Je pense, ouais. Ouais. Mais en même temps, il y a deux types. Il y a deux types, ouais, ça permet d'aller... Bon, on vous spoil pas trop. Bon, je pense que vous connaissez le jeu, c'est pour regarder. Mais vous verrez. Voilà. Et voilà. Alors, un petit Medienna. Donc, il y a un petit Poussifeu. Niveau 7. Niveau 7, mais il a... Bref. Il a plus d'expérience, que sûrement moins que quand vous l'avez quitté, mais je vous explique. En fait, cet abruti a oublié de sauvegarder, donc on a dû tout recommencer. Merci, je comptais mentir en disant qu'il avait vraiment une nature de merde et qu'on avait recommencé pour ça, mais non, non. Non, voilà, donc on a... Ah oui, donc voilà, j'ai oublié de sauvegarder. Lui, il a une nature. Il est quoi? Il est, je crois, naïf. Naïf, et ouais. Ça lui, enfin, je me souviens. Ça lui augmente la vitesse et ça lui baisse la défense spéciale, je crois. Voilà, c'est ça. Et donc on a... voilà. Ça va, quoi, y'a pire. Ouais. La défense spéciale, c'est pas bien méchant. Ouais. Bon, le mieux serait de monter l'attaque et de baisser l'attaque spéciale, par exemple. Ouais, surtout pour un type feu. Ça sert beaucoup l'attaque spéciale, hein. Bah si, le... enfin... Y'a des types feu, lance-flamme, ça rock. Ouais, mais enfin... Donc voilà, donc... On a Rosière, flamme de soigner feu. Oh, ouais, non, vite fait, vas-y. Quelques-unes. Donc on est à Rosière, et en fait on vous l'avait pas montré avant d'aller battre Flora, mais à gauche, il y a un type qui nous empêchait de passer parce qu'il avait trouvé des empreintes de Pokémon rares. Alors là on va aller lui parler, vous allez voir, hein. Voilà. Si vous connaissez pas... Donc vous... On essayait de sortir, il nous arrêtait, il nous disait non attends. Voilà, c'est ce type là, donc on va aller lui parler. Et voilà, il va... je vous laisse fermer la porte. Voilà. Voilà, donc gros boulet. Voilà. Dans tout ça, donc maintenant enfin on peut passer. Et on va aller affronter notre premier dresseur autre que Flora, parce que bon... Oui, et puis voilà. Vous allez voir qu'il est beaucoup moins puissant que le Gobou de Flora. Mm. Normal. Ce qui est logique. Tout.
Alors il s'appelle Calvin. Et hop. Mais non, en fait il est du même niveau que le Goblin, mais c'est qu'un petit Mediana pourri. Qui pue la merde. Grondement. Plutôt. Ouais. Alors par contre. Qu'est-ce que tu lis? Pourquoi tu lis le manuel de Pokémon Noir? Parce que je ne l'ai pas lu, vois-tu. Ouais, je l'ai feuilleté hier. Non, mais j'avais pas pris ma vie. Oui, donc Simon, Pokémon Noir, bah franchement, pour l'instant, mes impressions elles sont bonnes. Hein, ouais, moi aussi, ils sont franchement, vraiment... Franchement, ils gèrent, quoi, enfin, comme une nouvelle génération. Ouais, donc on vous en dira pas, on va vraiment spoiler, parce que là, ça serait vraiment du spoil pas gentil du tout de raconter ce qui se passe au début. Non, on va pas raconter ce qui se passe au début, mais... On va rien raconter. Je peux dire que, par exemple, je trouve que l'aspect RPG est beaucoup plus fort. Ouais. Dans ce Pokémon. Ouais, si vous regardez la cinématique de début, bon... Elle rock. Voilà, bon. Franchement... La muter son... Enfin, c'est assez magnifique. Donc là, on affronte un scout. Ouais, voilà, des scouts. On va rencontrer pas mal dans une forêt, bientôt. Voilà. Petite forêt, c'est une bois de pont, je crois. Oui, donc en fait, on a des Pokéballs, donc on peut attraper un Pokémon. En fait, non. Non, on va essayer d'attraper un Pokémon. Ouais, dans cette truc-là, de toute façon, il y en a un qu'on cherche, ouais. Bon, je pense que vous savez tous lequel c'est, hein, parce que bon... Si je vous dis qu'il est un minimum rare, ça y est, vous savez déjà que c'est. Voilà. D'ailleurs, je vais être assez dégoûté de la chance de quelqu'un. Bon, bah voilà, ouais, ils ont tous deviné, c'est bon. Voilà. Hein. On peut le dire, non? Non, on verra. Non. Attention, que si je peux... il va bientôt prendre la mèche. Ça va roxer. Ça va roxer, les chenipotes ne vont rien comprendre. Non, voilà, ce serait bien qu'on l'ait avant la forêt, mais bon. Non, mais donc pour ce Pokémon... Oh, je ne suis pas très grand, alors je m'enfonce dans le zéro. L'air, je vais tomber. Ah, tchoum. À tes souhaits. Oh, un autre gamin. Et donc, là où, en haut à droite, vous pouvez se voir des petites choses. On vous invite à vous montrer ce que c'est ensuite. Donc, c'est la petite nouveauté de la... Non, pas du tout. Non, enfin non, c'est le fait que elles sont présentées différemment dans la deuxième génération. Elles sont présentées différemment dans la deuxième génération, elles sont apparues dans la deuxième génération. Oui, c'est vrai. Et il y en a plus que dans la deuxième. J'ai pas beaucoup joué à la deuxième génération, donc excuse-moi si je fais quelques petites erreurs. J'hésite. Il y en a d'ailleurs deux de la deuxième génération qui ont disparu. Ah bon? Ah non, mais je t'ai dit... Leur nom a changé. Je t'ai dit, je n'ai pas beaucoup joué à la deuxième génération. Bah, comment dire? Il y en a une qui s'appelait juste X. Et l'autre est doré. Ah, un hirondelle, oui, tiens. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé. On a déjà une idée d'équipe, hein. Oui, on l'a, voilà, on l'a trouvé. On avait des hésitations, on a modifié les trucs. Alors on l'a trouvé, on l'a. Voilà. Tout va bien. On a profité de la connaissance de quelques guides de Pokémon pour demander. Voilà. Et on a eu une équipe en tête. Voilà, on s'agrandira au fil de l'aventure. On salue cette racle. Pardon. Entre autres, ouais, et ses potes. Ça avait l'air très sympa, eux. Eux, ouais. Oh, laisse-moi. Tu grattes ton code VIP. Oui. Donc on nous a beaucoup reproché, enfin beaucoup. Alors donc on va récupérer donc les deux trucs là, c'était les baies, donc je vais les récupérer. Merci, merci. Oui, donc je te disais donc qu'il y avait la baie dans Pokémon Or, Argent et Emeraude, qu'elle a disparu. Or, Argent, Emeraude. Mmh. Or, ouais. Argent, Cristal, mon ami. Magnifique, magnifique. Donc, non, je vais pas planter de belles, j'en ai rien. Non, de toute façon, là par là, on peut pas encore les arroser. Alors là, il y a une fillette. Bonjour. Mais ouais, t'as surpris avant que tu puisses Je parler. Vais continuer à gagner pour devenir le meilleur dresseur. Fais-moi avancer dans ma carrière. Tu peux utiliser les chaussures de frein. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, c'est bon. Ouais. Ah bon, c'est pas grave, hein. On est limité à 15 minutes. Pas de toute façon, on va peut-être faire des parties. Non, je saute pas en verre. Ouais. Parce que là, ça se présente bien, hein, on n'est pas... Pour le moment, on n'a pas vraiment fait de fail. À part toi, ton Emerald, bon, nous a sorti. Bah, le Pokémon dont je parle, je vais peut-être essayer de l'attraper offline. Hors vidéo, je veux dire, parce que bon. Ouais, on va faire ça. Il est peut-être un peu chiant à attraper. On arrêtera la vidéo et puis on reprendra. Oh, flamme! Et voilà, niveau 10, je t'avais dit qu'il apprendrait bientôt. Ah, mais je ne doutais pas de. Et donc voilà. Et voilà, on va pouvoir la tester sur un valide. On va pouvoir vous montrer. Voilà. Ça fait du plaisir. Les one shots, ça fait plaisir. Toujours. Donc voilà, notre poussif... Non, ouais. Oh, mais je récupère toujours tous les objets. Ouais, de toute façon, c'est une potion, c'est toujours bien intéressant. Oui, oui. Mais de toute façon, on en aura pas besoin. Ouais, bien, ouais, à gauche. Je suis sûr de ça. Pardon. S comme ça. Clémentiville, affiché. Ouais. Voilà. Avec un affichage différent pour chaque ville, hein, s'il vous plaît. Attention.
quand même. On va aller soigner notre petite équipe. Ça valait le coup de repayer 40 euros. Hein. Non mais sérieusement, non, sérieusement, ça change de faire de... Ah, marre de m'embrouiller, il y a trop de versions. Non. De toute façon, j'ai trop shop pour en acheter, non. Donc ça change de rubis saphir. Non. Bon, on va aller voir... Non. Alors voilà, là il y a quelqu'un qui nous arrête en disant tu veux dire un dresseur en arrivant dans une ville, il commence par réfléchir quel type d'arène se trouve dans la ville. T'as raison, elle est niveau 40, connard. C'est l'arène de mon papa de toute façon. Ouais. D'abord. Rien à foutre, du respect. Cette pute. Ouais, bon vas-y, tu sais quoi, rentre. Ouais. Et tiens, Kikou. Papa. Et là donc en fait on... Est-ce qu'on passe cette partie-là? Non, on va la laisser quand même. Non, bah non, ça fait partie du scénario. Oui. Bah, c'est quand même un personnage important du scénario que vous venez voilà. voir arriver. C'est Timmy. Voilà, on va le voir. Puis à un moment, il va disparaître. Puis il va réapparaître par intervalle... intervalle régulier. Je crois pas, il me semble qu'il disparaît puis qu'il réapparaît tout à la fin. Bon, ça une fois. Peut-être pas, non. Si, on le si on le revoit et après, c'est fini. Voilà. Contrairement à Flora, qu'on va voir plusieurs fois. Tu vas nous casser les couilles. Ouais, un peu. Elle va nous offrir des trucs et tout, c'est... Ouais. Elle est gentille. Waouh. Waouh. Et donc ce chanceux a le Pokémon qu'on cherche du voilà. premier coup. Un Tarsal. Connard de merde. Parce qu'on veut un Gardevoir. Et on veut qu'il ait une attaque électrique. Ouais, c'est pour ça en fait. Donc ce crétin. Voilà, donc il va gérer, hein, y a pas de problème. Mais dis-moi. Quoi? On cherche une attaque électrique, c'est entre autres pour battre le Bobo, la grande ça de... Non, il est pas affecté par l'électricité. Non, non, mais c'est pas... pas comment le... T'inquiète pas. Bon, enfin c'est facile mais... C'est bon, c'est une merde Flora, je sais. Donc bravo. Attention, Timmy va jeter une Pokéball. Il vous montre comment attraper un Pokémon aussi. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. C'est un semi-didacticien. Bon, il a qu'une Pokéball en plus, c'est débile. Voilà. Il l'a mis en orange quoi, sérieux quoi. Pas endormi, pas paralysé, rien. Oh. Il a la chance, franchement. Espèce de chatteuse. Dans noir et blanc, la capture, elle est plus classe que ça, vous allez. Un peu plus immersive. Je vous dirais rien plus. Oh bah ça, ça va. Sur Ah bref. Ah le lancer de la balle. Tout, le lancer et les oscillations. Ouais, bon enfin. Elle est un chouïa plus immersive, c'est tout. Là. Ça reste. Ouais non mais sinon on fait de base. Est-ce qu'on fait deux parties? Oui on va faire deux parties je pense. Ouais et on... Alors je pense que là on va s'arrêter parce que ça va bientôt 15 minutes. On va aller capturer notre petit Tarsal, l'entraîner pour qu'il soit à peu près au même niveau et puis on va reprendre. Ok. Ok, et bah à tout à l'heure. C'était la première partie qui durera 13 minutes environ. Voilà, à tout à l'heure. Ok. Eh bien salut à tous, c'est la deuxième partie de l'épisode 2 du Walkthrough de Pokémon Emerald par The True Gamer M5. Donc on va vous raconter nos mésaventures, hein, mais d'abord on va vous montrer le petit truc qu'on a trouvé. Notre petit Tarsal hein, qu'on a fini par choper. Hein. Qu'on l'a upé un peu, il est niveau voilà. 7. Je crois qu'il a sa nature, je crois que c'est assez minable. Ouais c'est pas grave. Donc il est niveau 7, donc il a choc mental, c'est pour ça qu'on l'a fait. Voilà. Granipio, alors je sais pas pourquoi, il m'a sorti, capture-le, les voleurs champignons. C'est ce crétin, voilà, c'est Balignon qui a voulu en champignon, pas Granipio. Donc en gros on a capturé un truc pour rien. Mais c'est pas grave. Et donc là, on vous raconte un petit peu quand même comment on a capturé. Attends, donc le problème là on va sortir de Clémentier en fait. Et sauf que. Il y a un petit bonhomme avec des lunettes de soleil et une chemise bleue. Qui nous dit que ouais, on est un dresseur Pokémon, bravo. Il est perspicace hein. Tes vêtements ne sont pas si sales. Tu es soit un dresseur du temps, soit Voilà, ils sont là. En gros, ils ne considèrent pas comme un dresseur de talent. Ok, c'est ça. C'est un PD. En gros. Alors lui, c'est pas un dresseur. Donc voilà, faut qu'on vous raconte. Donc quand on a capturé la Tarsal, en fait, on a commencé, on a fait 21 essais de... Et au bout du 21e, on est tombé sur un Tarsal. Et ouais, vas-y. On est tombé sur un Tarsal. On le capture, tranquille. Alors déjà, on lui fait une griffe. Qu'est-ce qu'il lui reste? Un PV. Donc on a eu un putain de gros flip en disant putain non c'est bon il est pas mort. On lance la balle, il est capturé. Et là comme un con j'appuie sur échappe.
Et donc échappe, ça ferme l'émulateur sans sauvegarde, rien du tout évidemment. Voilà. Mais donc là, après avoir étranglé M5, j'ai obligé à le rattraper tout seul. Bon voilà, je crois qu'au bout d'une trentaine, j'en ai retrouvé un et puis je l'ai pris. Et puis on l'a fait expert. Voilà. On a vu ce que ça a pris, putain, 2 heures quoi. Voilà. Ouais, on n'a pas fait que ça non. Ouais. Autre chose. Salut les UC au passage. Voilà. Donc, et là on affronte un putain de magie de carte de ouf, il est en train de démonter notre gueule. Un coup de trompette. Ah ouais. Trop fort. Hein. Il s'appelait Rémi. Mais personne ne sait ça. Non. On s'en fout, on dirait. Et donc c'est un péché. Ah non non non, j'ai pas ça. C'est un boulet. Et là il y a un gamin qui court. Ouais ouais. Ah, non, ah voilà, il nous a remarqué. De quoi avec... Et là-bas, la fille, ce n'est pas un dresseur. Non. C'est un fail. Ouais. Non, c'est un fake. Ouais, fake. Willy, sauvez Willy. Faut le sauver, ouais. Parce que on a chopé un Granipio et bientôt on va choper aussi un Pokémon pour jouer. Bah donc Balignon. Voilà, c'est celui-là qu'on voulait. Parce que bon, Champignon, il est peut-être très moche, pourtant bon. Et en train d'être Tarsal là. Et puissant. Qu'est-ce que tu fais avec Je sais très bien qu'il faut que Poussifa prenne double pied. On l'entraîne. Au pire, on l'entraînera hors vidéo. Parce que pour la première arène, Poussifa a besoin de double pied. Voilà, parce que double pied, c'est très très bien pour la première arène. D'ailleurs, Poussifeu, enfin voilà, 111 points d'XP, ça fait plaisir le brasseur. Ça va vraiment plus vite que les sauvages. Hein. Ouais. Et boulet, ce boulet du sabre, c'est plus cher. Je l'empêche de quoi, même. Donc là, voilà. Ah, ce n'est pas un brasseur, tu vois. Quoi, peut-être c'est celle qui nous explique que... Si de se dépêcher un peu, je n'ai pas lancé le chrono. Je pense qu'on doit être à 3. On va le lancer maintenant, je sais faire. On doit être à 2 minutes, attention. Je pense. Oh, il n'y a personne. Et non. C'est incroyable, c'est une maison vide. Donc si on pouvait, on volerait tout, mais comme il y a un maison. On va s'en aller, on va remonter plus haut. Eh oui. Là, il y a un bateau, je m'en même pas casser avec. Connasse. Là, il y a 2 bêtes, tu vas les prendre, tiens. Voilà, pour cette fois-ci, c'est Trou qui joue. Voilà, je sais pas pourquoi il a décidé de jouer. J'ai envie. C'est moi qui parle, donc... On va vite voir qui a 3 fois plus de vues. Ou pas. Et là, ça va être... Hop. Bon, on la prend, ouais. Elle veut pas. Hein. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce avant, là. Je me souviens qu'avant c'était un Richard. Voilà, là c'est une lady. Bon, c'est pareil, ce genre de truc qui nous donne vachement de fric. Mais vraiment, quoi. C'est ça qui est bien. Ouais. On va juste lui démonter sa mère. Et puis, voilà. Avec son faible zigzaton. Ah ah, d'ailleurs, elle est tellement riche qu'elle utilise des guérisons sur un zigzaton niveau 7. Voilà, c'est. Bon, on remarque un petit peu quoi. Franchement, faut arrêter. C'est du gaspillage d'argent. Franchement, c'est pas bien. De toute façon, elle va m'en donner. Ah. Non. Voilà, elle va me rembourser. Ça va prendre combien tu peux. Attention, attention, attention. Ouh, 1400. Ça fait plaisir. Hein. À ce niveau-là, ça fait plaisir. Ouais, après. Pff. Bon, après, j'avoue que c'est pas énorme, énorme, mais. Bon, on va chercher. Le. Ouais, on va aller chercher. Déjà, si on chope un Balignon, c'est bon. Ouais, si on trouve un, voilà, on va faire la forêt. Et puis, si on trouve pas, eh ben, on y retournera hors vidéo. Puis, ouais, on voilà. Je vous verrai pour la prochaine. Oui, j'ai pas mis la capture de Tarsal ou de tout ça. Non, on l'a pas record, de toute façon. Parce qu'en fait, quand j'appuie sur le bouton record, ça me fait recommencer. Attends, il y a un objet, là. Ça, oui, mais enfin, là aussi. Je trouve que c'est un petit champi, je sais pas, un truc comme ça. Ah ouh, j'ai pas eu. Qui es-tu? Si tu essaies de prendre le Vogelman, c'est du vol. Tu veux relancer le Vogelman que le Vogelman sauvage. Je n'ai rien à foutre. D'ailleurs, entre rigolo, quand on essayait de prendre les Pokémon de... des teams, qui sont des voleurs, eux, ils nous disaient « Eh non, 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 c'est du vol. » Bon, voilà, quoi, du coup. Oui, donc généralement, quand il y a un truc comme ça dans les herbes, on appuie sur A. Oh et tout, on trouve quelque chose. Voilà, et, ou alors au bout d'une impasse. Et au bout d'une impasse, généralement. Ouais. Mais... On l'a déjà parlé. Non. Ah bon. Et d'ailleurs, c'est voilà. C'est lui qui nous... Voilà, c'est pour ça, donc... Il nous dit... qui est totalement téléphoné. Oui, mais bon. On va même savoir bien débuter. Oh, un magnifique Blendleaf. Mal, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attention. Pas d'intérêt, mais bon. Mais aucun. À part se faire one-shotter gentiment par notre petit poussif... Il est puissant, quand même. De toute façon, le feu, c'est réputé comme étant puissant. Ouais, enfin, de toute façon ils sont tous. Alors et là on a un putain là, on a un magnifique. Alors il me semble que celui-là c'est un genre, je crois qu'il en a 6. Ouais oui, voilà. Oui. Il a 6 dos. 6 dos, donc ça va être du spam bouton A quoi, vraiment. Ok, on va le faire. Non il y en a 4 ça. Avec Chenifiat, putain. Magnifique.
On a trouvé des surnoms à tous les Pokémon. Non pas tous, mais voilà, celui-là. Enfin, à quelques Pokémon. Chenifiat, Nénufiat, Poussifiat. Non mais on change, genre Nénucrot ou... Il y avait un autre hot. Ah oui, bah oui, il y a Granicat, Granichiot, voilà. Des trucs de merde comme ça, on se faisait chier hein, franchement, on attrape un Tartal. Hein. Oui, là, là. Pour notre voilà. Défense. On est déjà avec plus d'une heure de jeu quoi. C'est pour dire. Chier, ouais, puis je peux monter au niveau 13. Au niveau 16, il va évoluer. Eh, hey, spoiler non, je le tape. Mais tout le monde le sait qu'il évolue au niveau 16. Non. Mais si, tout le monde le sait. Non. Si, tout le monde. Non. 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 En tout cas, si tu regardes cette vidéo et tu ne sais pas qu'il évolue au niveau 16, bah non, c'est bien, c'est bien. Si t'as pas envie d'acheter le jeu, tu peux regarder la vidéo à la place. Ah, mais... Putain, je suis niché de niveau 3, c'est vraiment de la merde. Plus des mal. Bon, ça y est, c'est fini. En plus, il va rien donner comme fric. Attention. Ça se coûte trop cher, parce qu'il vend des biscuits, il va pas donner 48. L'autre, elle nous donnait 1400, donc elle était vraiment riche, l'autre. Non, mais pourquoi t'es... Oh. Ah, je fais le tour. Tu vois, c'est ce qui me brûle. Un anti-para, pour pas être paralysé. Et oui, après, il y a anti-bolt, pour ne pas être... Doté. Voilà. Dis donc. C'est lui. C'est lui. Je comprends pas comment elle a fait pour avoir des chenipotes niveau 3, alors que tu es d'un avion, ça. Donc on va continuer. Tu peux commencer. Alors là on va affronter le premier membre de cette chère. Alors là il y a un début. Alors rien du tout. Ah oui d'ailleurs il recherche le même Pokémon que nous. Et donc voilà un mec de la team. À quoi enfin, un homme déguisé en bleu qui l'interpelle et qui dit qu'il... La team à quoi n'a même plus. Voilà, maintenant c'est la team à quoi. Oh. C'est un mec de la team à quoi, de toute façon on va dire à quoi. J'aime bien leur logo, je le trouve classe. Oh ouais. C'est la team Plasma. Donc voilà, oh mais... c'était Spider. Oh non, ça t'est pas joli. Ils ont des médias d'armes. Non, c'est pas ça. Si, je suis pas beaucoup pour ça. Ouais, oui, bah donc c'est le ça. En gros, tu viens de dire que leur blason, c'est la merde. Non, je dis que j'aime bien. Grondement. J'aime bien grondement. Il augmente son attaque. C'est magnifique, et de toute façon, il est mort. Voilà. Si tu réfléchis bien, c'est un mec qui gronde, et ça augmente son attaque. Bah ouais, ça lui donne de la confiance, tu vois. Un chien qui gronde, c'est pour se motiver. Alors c'est qu'il a mal à la queue. Ouais, ou ça. Je pense comme nous... Gris, tu as le culot de t'opposer à la team Aqua. Et ouais. Viens et affronte-moi de nouveau. Ok, vas-y, viens. Qu'est-ce que je me mets ah, fail. En plus, nous, à team Aqua, on a quelque chose à faire à Mérouville. Mérouville, c'est magnifique. On va y aller. Et donc, oh, regardez, je vais te donner cette super bowl. Tiens, une super bowl, puis en gros, il nous donne 600 Poké-Dollars pour la Barcelone. Merci. Ouais, si, peut... je crois qu'on l'achète 600, mais je crois pas qu'on la revend 600. Non, on la revend 300 même. Alors lui, voilà. Alors lui, il a vraiment une coiffure de merde. Ah bah, et bah il va mieux ne pas garder dans les autres dialogues. Oh putain. C'est S. Ça arrive, c'est ouais, ah oh non, c'est ça fait. On va être obligé de marcher dans deux autres herbes avant de ressortir. Alors que si tu n'avais pas fait ça, nous serions déjà sortis. Bref. Un gal, c'est pas mal, c'est rigolo. J'aime bien cette tête, je sais pas. Enfin, il me fait un peu quand même penser à... Bah, j'aime bien sa façon d'évoluer en... J'ai trop posé à penser à Miguel en Ninja. Qu'on achète un, il évolue en deux trucs, c'est ça qui est marrant. En Ninja. En Ninja et en... En Ninjask. Et t'en as besoin de Gasol pour avoir deux évolutions, c'est ça qui est marrant. Oui. Parce que je vois pas, c'est pourquoi ils ont deux. Il est un peu rentable, il est rentable. Ah, parce que franchement dans cette forêt de merde, c'est un peu le meilleur Pokémon, donc forcément. On en trouve, ouais, on en trouve là. Non non, le meilleur c'est pas sûr. Enfin, il y en a un qui est vraiment rare dans cette forêt, mais. Il est un petit peu. Il aime bien dormir. Ah oui, c'est vrai. Voilà, si vous le savez, mettez en commentaire. Bon, je pense que vous le savez, hein. Faut pas non plus. Abuser. Ouais. Donc, ouais. Si on le trouve, on le prend. Oui, on bah oui. On peut ouais. L'échanger contre un Makuhita Mirugi. Ouais mais bon on n'a pas besoin de Makuhita non. Ah oh, on n'a pas coupe, on ne peut pas passer. Oui. Qui est-il écrit sur ce panneau sorti. Clancé il dresse en plus de points de pouvoir. Oh dis donc on n'avait pas remarqué. Je savais pas. Bon, on va tenir cette route. Alors là il y a quoi. Qu'est-ce qu'on a. On a de la baie. Ouais, on a de la baie. Et. Oh et une CT. Mais qu'est-ce donc. C'est Malgraine. Ah la foutre. Je t'aime de regarder. Merde. Quelle gueule. Donc une CT ne peut servir qu'une seule fois. Tiens c'est marrant, j'avais oublié. Oui moi aussi. On se demande pourquoi.
Si vous savez, n'hésitez pas à mettre des commentaires. On fait plein de petits trucs comme ça, vous trouvez. On fait des petits... Voilà, des petits clins d'œil à certaines choses. Tu rentres, tu vas chercher derrière. Bon, non, d'abord, je rentre. Alors là... On est dans un fleuriste, chez un fleuriste. Ouais, on en a partout. Oh, Sacha, quel joli nom. Oui, non, non, pas le voir. Oh, merde, désolé. Excuse-moi. Enfin, on l'aura déjà dit, en plus. Merci, merci, merci. C'est mon rêve le plus cher. Mini lag, va pas. Ouais, ils aiment bien les rêves, hein. T'as Flora qui rêve de trucs bizarres et puis elle aussi. Hein. Ouais, elle aussi rêve de trucs bizarres. Ouais, on a soutenu un saut Welmer. C'est le truc qu'on va jamais s'en servir pendant tout le monde du jeu. Ouais, franchement, moi, les... Enfin, si, je le mettais près de ma base secrète. Merde, j'ai spoil la base secrète, donc tant pis. Pourquoi tu mettais près de la base secrète? Je le mettais près... Bah, comme ça, je savais tout le temps où cultiver des bêtes. Ma base secrète, je la mettais tout le temps au même endroit. Quand tu montes. Ouais, moi, je commence pas, de toute façon. Moi, j'ai un endroit, ouais. Faudra que je te... C'est où, quoi? Déjà, c'est dans un arbre ou pas? Non. Moi, si. Non. Dans une grosse plante. Ah, d'accord. Bon, voilà. Alors, en fait, il y a que là. Il hein. Y a pas d'autres... Je crois qu'il y en a pas d'autres... T'es sûr de ça? On va les essayer. Ouais. Genre... Ah, tiens, fait. Hop. Limite, il y en a deux. Mais je sais qu'ils sont pas... Oh, c'est... Non, non, il y en a pas tous. Des exatons, je crois que c'est... Oh, un médiana. Ouais, je les laisse. Je vais démonter sa mère. Bon, ouais, mais c'est pas grave, la première vidéo faisait 12 minutes. Et en plus, en coupant les trucs de merde qu'on fait au début. Non. Non. Toujours un millième, hein. Et donc pas de zigzag. Je sais pas, vu son mec, il avait plein de zigzag tendance à être. Il y en a, il y en a. Tant pis. On va les récupérer, s'il y a des objets là, on va les récupérer, on va finir la route et puis on va charrer. Eh oui, on va vous laisser. Vaquer à vos... C'est un suspense insoutenable. Que se passe-t-il à Mérouville? Eh oui. On dit rien d'autre. Je crois qu'il y a rien. Là-bas. Ouais. Passe par les coups. Nya. Ouais. Ah mais y'a que des médianas dans cette chaud. Ouais, donc voilà, j'ai bien hein. Fait avec mes exatons. Un peu... Non mais c'est de la malchance. C'est plus beaucoup de la mèche, ouais. Il y a encore des dresseurs à faire. On va se switcher avec Tarsal, c'est bon. Au pire, on va faire un petit switch Tarsal. Il est presque niveau 16. Enfin, il est niveau 14, c'est déjà bien. Je peux courir aussi. C'est vrai. Rien d'autre. Voilà, donc là il y a des dresseurs, il y a une Richard. Ouais. Enfin une mademoiselle. Donc, ça, ah lui c'est un Richard. Là. Voilà, ça veut dire money money. Ah oui d'accord, en fait ils ont switché par rapport à... Ouais ils ont switché. Je crois que non, il n'y a rien. Ah bah le voilà ton idée. Merci, je suis content. Ah je suis content, j'ai enfin... double son niveau, c'est parfait. On va peut-être le one-shot. Oui, on le one-shot. De toute façon on one-shot tout là. Ah non. Moi je pense que tu vas te taper du hors vidéo, un entraînement bien poussé. Ouais niveau... la... je le fais franchement non mais je... Non je le fais, je le mets niveau 15 à la limite du up et j'attends pour passer niveau 16 en vidéo parce que franchement ouais, non, si ouais. Je passe ça franchement c'est moche. Donc là il y a une petite fillette. Ah. Non c'est bon il y a le temps. D'ailleurs il n'y a pas un combat particulier déjà. Non non il n'y en a pas. Non, particulier au sens, tu vois ce que je veux dire? Ah là, si, il y en a pas un sur le pont par exemple? Si je crois, ouais. On va voir. Oui, si je crois, ouais. Je crois que si. Ah, voilà. Il y en a un. J'irai l'attraper, ça. Oui. Peut-être. Mais si, on va l'attraper. Ouais, parce que en fait, l'ordi il est chez moi donc celui qui doit se taper toutes les séquences en vidéo, c'est trou. Hein. Parce que voilà. Oui d'ailleurs mon surnom c'est trou mais évitez les mauvais jeux de mots. Voilà donc c'est bien ce que je disais, il y a un combat particulier. De quoi comme jeu de mots? Style trou de balle ou trou du cul? Non non pas du tout. Donc voilà donc c'est le premier. Attends qui... j'espère qu'on a pas foutu Granifiot en deux. Non non on a mis Tarsal. Granifiot et Nénufiot, parfait. T'en as mis un Tarsal, c'est magnifique. Donc c'est le combat double, c'est la première génération où ça apparaît. C'est plutôt sympa moi. C'est plutôt sympa donc tu mets Granifiot. Bien sûr évidemment. Choc mental et voilà. D'ailleurs ils vont bien l'exploiter, vous verrez, le combat double. Ouais, même je dirais, je sais pas moi, il y a un... Il y a quand même un combat assez important qui ouais. Utilisera le combat double. Sur une île, pardon. On peut dire, de toute façon, voilà, si vous savez pas qu'on peut surfer avec des Pokémon, donc on a une famille. Oh, c'est super, guys. Ça, je pourrais faire maintenant. One shot. Je crois qu'il y a une mémé qui va nous filer des belles, hein. Peut-être bien, ouais. Donc voilà, c'est un combat double, c'est pratique. Et d'ailleurs, Tarsal a EP, tiens, ouais, cool. Vous voulez faire déjà EP niveau 8 et recommencer la vidéo, mais moi j'avais la flemme.
Alors là, il y a un... voilà, la mémé qui nous donne des baies. Ah non, qui nous dit qu'on peut les prendre, d'accord. Ah si, elle est là, une baie marre. Donc on va aller parler au pêcheur, lui démonter sa gueule et puis... Prends les baies, prends les baies. Évidemment, je n'aime pas faire tenir des baies. Désolé. Non, j'aime bien les récupérer parce que j'en ai pas. Oui, non, mais oui, j'aime pas faire tenir des baies, mais Pokémon, c'est ce qu'elle me disait, la madame. Non, je préfère leur donner des objets du style... Bah si je veux, je pense on va lui donner un charbon. Ouais, ça va sûrement. Je sais pas s'il est dans le jeu. Oh si, le truc de bois. Si si, je vois où il est même. Ah. Je sais où il y a les lunettes noires, je me souviens de ça. Non. Bah il est à la ville, il a du feu. Bah si tu FD. Si tu FD. Mais oui, grippe, ouais, tiens. De toute façon ça va être du one shot pareil. Ouais. On va essayer de finir vite parce que je sais pas si on en aura. Donc actuellement les pêcheurs c'est des magicards, des magicards. Au pire on coupe une partie. Mais de toute façon je te dis, la première elle fait 12 minutes alors qu'on a 30 secondes à couper et celle-là on en est à 14 minutes et... Ah non on a lancé le premier plus tard. Ouais. Ah ouais, bon on verra. Des pêcheurs de rocher. De toute façon c'est bientôt fini. Et voilà, il sert à rien, il a que des magicards. Je comprends pas de toute façon. Comment tu peux faire des combats avec juste des magicards? Tu peux jamais gagner en fait. Ouais, non. Donc tu peux même pas les faire XP, tu vois. Ouais, mais ça t'XP pas toi non plus, donc ça sert à rien. C'est juste pour te casser les couilles. Non, mais enfin, on n'était pas obligé de parler non plus. Mais... De toute façon, c'est pour 280. Et voilà. Et voilà, on est arrivé. Et on est arrivé, effectivement. Voilà. Donc voilà, on est arrivé. On va vous laisser, on va... On va aller sauvegarder. Maintenant tout de suite parce qu'on a plus beaucoup de temps. Et donc voilà. Donc voilà, c'est à, à bientôt pour le prochain épisode, l'épisode 3, où on va faire plein de choses géniales. Salut. Je paraîtra sûrement ce week-end. Salut. Allez, salut.